Salut à tous, c'est Adrien D. Bon, j'étais en train d'uploader une vidéo, je regardais tranquillou mes commentaires sur linuxstrix.fr et je vois un commentaire sur la vidéo que j'ai faite sur Nmap en version 7.60. Enfin, pour tester si un PC est vulnérable à la faille WannaCry, enfin à la faille celle-là. Et je disais qu'il faut Nmap 7.60. Et David, ici, me dit « Je suis sur Linux Mint, comment avoir la version 7.60 ?» Alors on va passer à l'action, sudo, voilà, sudo apt install nmap. Si on installe nmap, on va voir que qu'il va nous installer une version pourrie de nmap, un vieux truc, voilà, la version 7.01. Donc honnêtement c'est pourri. Et du coup, bah, si on fait un nmap -version, hein, je vous montre bien, c'est la version 7.01, c'est écrit ici, et que vous faites un ssc 10.21.21.100, allez sur mon PC, -script ms, je vais voir si je peux faire le copier-coller de ce script-là. Voilà, il dit que le script n'existe pas. C'est con. Alors, ce que faut faire, on désinstalle apt remove nmap et on va aller le chercher tout simplement sur le site officiel nmap.org et on va le compiler. Alors, comment compiler nmap? Honnêtement, c'est pas très compliqué. Donc, nmap. On va sur le site nmap.org. Voilà. Ici, on a la version 7.60. On la télécharge. Donc, ici, on a le code source. Donc, on va faire ça. On télécharge le nmap. Voilà. Ensuite, parce qu'en fait, pour Linux, on n'a que des fichiers RPM. RPM, qui est le format de fichier... comment dire ? Enfin, c'est le format de package reconnu par la Linux Standard Base, donc c'est du RPM, on n'a pas de deb. Donc, si on est sous Debian, Ubuntu ou Mint, il faut se taper ça. La compilation, bon, là, on a peut-être un deb quelque part par là, non? Non, là, on a que du RPM. Après, on peut aller récupérer des deb un peu, on ne sait pas trop où. Autant compiler. Donc on va attendre qu'ils finissent de télécharger. On va dans le dossier téléchargement. On va attendre qu'il ait fini. Ah bah c'est bien longué. Bon, attendez, on va annuler le téléchargement. Et on va recommencer. Hop là, voilà. Nmap. Nmap.org. Download. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire copier l'adresse du lien. Wget. Voilà. Voilà. Ensuite, on fait un tar-xf de nmap. Voilà. Pour décompresser le tar-bz2. Ensuite, on va dans nmap. Et on fait un point slash configure. Et il se peut que ça marche pas. Voilà. Là, c'est le cas. En fait, il faut des outils de compilation pour compiler. Donc, sudo apt install build essential. Avec ou sans S, je sais plus. Voilà. Sudo apt install build essential. On installe tous les outils qui permettent de compiler. Donc G++ et tout ça. Voilà. Et cette fois-ci, on refait le configure. Et là, on arrive à tout configurer.
Ensuite, une fois que c'est configuré, donc là, hop, il y en a pour un petit moment. On va faire un mec pour fabriquer le logiciel. Et après, un mec install pour l'installer. Donc, une fois qu'il aura fini tout son bazar, là. Voilà. Config complète. On fait le mec. Pour compiler le logiciel. Donc, il y en a pour un petit temps. Sachant que là, la machine htop. Là, la machine virtuelle dans laquelle je fonctionne, j'ai dû lui mettre que 2 CPU. Hein. Hop là, voilà. J'ai mis 2 CPU, c'est tout. Voilà. Donc si vous avez plus, ça peut compiler un peu plus vite. Une fois que c'est fait, on va faire un make install pour installer Nmap. Alors bien sûr, pour faire le make install, on va le faire en sudo, hein, puisqu'il faut les droits d'administrateur pour écrire dans userbin, tout simplement. Donc là, c'est un peu long. Alors j'espère que ça va marcher du premier coup, parce que là c'est une vidéo faite vraiment à l'arrache, aucune préparation, je suis pas sûr de mon coup, donc on va voir ce que ça donne. Vous voyez là, on a les infos, local share and map, c'est là dedans qu'il va installer les scripts et la doc. Voilà, voilà. Donc on devrait toucher la fin du but. Vous voyez tous les modules qui compilent Nping. Finalement, Nmap, il est assez quand même complet. Donc il y a beaucoup de choses à embarquer dans le truc. Voilà. Et on fait un sudo make install. Hop là. Il installe dans le bon truc. Et là, si je fais un nmap-version, eh bien, Nmap n'existe pas. En fait, il a dû se foutre dans user local bin. Je pense qu'il s'est mis là-dedans par défaut. Nmap, voilà. Quand on installe un logiciel manuellement, en principe, il se met dans user local bin au lieu de user bin. Voilà, donc vous allez dans user local bin nmap, tirer version. Voilà, et là, on a la version 7.60. Donc, deux solutions. Soit vous ajoutez à votre $path, qui est la variable d'environnement, vous lui rajoutez user local bin, quoique, tiens, il y est quand même. Il suffit peut-être juste de fermer le terminal, tiens. Ah ouais, il suffit de fermer le terminal, j'ai rien dit. Histoire de rafraîchir tout ça. Donc nmap-version. Voilà. Et là, maintenant, vous pouvez relancer la... Le truc qui va bien. Nmap-sc. Le nom du script. Chuck, chuck. Chuck, chuck. Tiret, tiret. Script. 10-21-21-100. Et voilà, ça marche. Tout simplement. Voilà, donc comment compiler Nmap sur Linux Mint. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais la mettre en ligne et puis je vais compléter cet article. Voilà, à ciao.